Hey yo tout le monde, c'est Mister Alpha Wolf, comment ça va? Écoutez, moi les gars, ça va vraiment super bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une petite vidéo qui envoie de la patate. Enfin, pas comme d'habitude, mais c'est une vidéo information actualité. Je voulais vous partager les événements qui s'étaient passés sur Nuketown, donc les nouveaux designs, etc. etc. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment trop léger pour vous faire une vidéo en entier. Donc j'ai combiné le tout avec, si vous voulez, toutes les nouveautés qu'on a eues sur Black Ops 3 durant la bêta. Enfin, toutes les modifications plutôt qui ont été apportées sur la bêta de Black Ops 3 durant la bêta PS4 et la bêta Xbox One suite à des mises à jour. Donc voilà, je vais envoyer cette vidéo à Code QG et Code CF. Donc je les remercie s'ils m'uploadent. Ça m'aiderait vraiment sur YouTube. Et encore une fois, donc on va tout de suite partir pour une vidéo information, les gars. Donc ce qui a été changé, on va le dire tout de suite, ça va être très simple. On va aborder ça point par point, en prenant arme par arme et spécialiste par spécialiste, tout simplement. Donc on va partir avec le M8A7. Donc le temps de rafale, enfin le temps entre chaque rafale a été diminué. Et également le recul a été augmenté. Pour le Dracon, le recul a été augmenté, mais aussi, en gros, quand vous allez tirer au-dessus du buste, le sniper va one shot, mais quand vous allez tirer en dessous du buste, le sniper va two shot, comme le ballista désormais. Et le recul, en gros, la cadence de tir sera un peu plus rapide par contre. Donc c'est un peu une sorte d'XPR, je pense que ça va devenir un peu une sorte d'XPR. Pour la Razorback, la puissance de tir a été diminuée, enfin la cadence de feu, enfin la puissance de feu plutôt a été diminuée, et le recul a été augmenté. Pour la HVK, la largeur de l'arme sera beaucoup plus petite. Pour la Vesper, la cadence de tir, enfin pas la cadence de tir, mais la puissance de feu, j'ai du mal avec ça, a été diminuée. Pour la KRM, en gros, les dégâts ont été augmentés. Pour la XR2, il y aura le retard entre les explosions a été réduit, mais le changement sera vraiment très léger, ils disent, sur ce XR2, donc voilà, c'est pas mal. Là, on arrive dans les spécialistes. Donc pour l'armure cinétique, les gars, il durera 7 secondes maintenant au lieu de 5 secondes. Pour le camouflage, donc du spectre, enfin du spécialiste spectre, il durera 5 secondes maintenant au lieu de 4 secondes. Pour le glitch, maintenant, il va prendre 2 minutes pour se recharger, en gros, sans que vous tuez. En gros, quand vous allez rester sur place, il va prendre 2 minutes pour se recharger totalement au lieu de 1,5 minutes, donc 1 minute 30. Et en gros, quand vous allez retourner en arrière, vous allez retourner en arrière de 700 unités au lieu de 800. Donc ne me demandez pas ce que c'est des unités. Mais en gros, son temps de voyage en arrière a été diminué également. Pour le Vision Pulse, donc la gamme est de maintenant 1400 unités au lieu de 1600 unités. Donc là, c'est en gros, le temps du Vision Pulse a également été réduit. Pour la Reaper, en gros, pour se recharger complètement, elle va prendre 2 minutes quand vous allez être stable, c'est-à-dire quand vous allez être AFK, au lieu de 3 minutes, donc ce qui est plutôt cool. Et maintenant, quand vous allez rien faire avec, elle va durer 20 secondes au lieu de 15 secondes, donc c'est également cool, c'est-à-dire que sa puissance, enfin, elle a été diminuée pour l'obtenir, et elle a été rallongée quand vous l'avez. Donc je trouve, par contre, pour ce spécialiste, je comprends pas trop, parce que c'est vrai qu'elle était assez OP, donc voilà, je comprends pas trop. Pour le Tempest, les gars, le rayon a une largeur beaucoup plus petite, parce que c'est vrai que la largeur du rayon était vraiment assez abusée. Maintenant, la cible, enfin plutôt celui qui tire sur la cible, doit être beaucoup plus précis pour tuer son ennemi. Et maintenant, lorsque l'unité cam finale avec le Tempest, elle passe de 2,5 secondes au lieu de 3. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pour le speed burst, donc c'est le truc quand vous allez plus vite, quand vous l'activez, vous allez plus vite. Vous restez en déplacement, donc à pleine vitesse, pendant 5,5 secondes au lieu de 5, donc ça a été rallongé. Pour la machine de guerre, maintenant le chargeur est de 6 et non de 8, et les rayons, enfin le dégât des rayons d'explosion a été réduit. Et pour la fin, pour le Rayjack, maintenant il va durer 3 minutes au lieu de 2 minutes pour se recharger, donc son rechargement a été augmenté, donc c'est une bonne chose, je trouve. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et quand vous allez utiliser votre Rayjack, c'est-à-dire quand vous allez vous relever, maintenant il a été augmenté, donc de 1 seconde à 1,5 secondes, c'est-à-dire qu'en gros ça va être moins rapide. Donc voilà, je trouve ça, c'est pas mal. Tous ces changements sont vraiment assez bien faits. Laissez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment assez content. Je trouve qu'ils ont fait du bon taf. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Pour le Rayjack, je suis vraiment content, parce que c'est vrai que beaucoup disent que c'était abusé, même si moi personnellement je ne trouvais pas. Mais voilà, en tout cas, laissez-moi votre avis en commentaire. On va tout de suite parler de Nuketown, les gars. Et donc pour Nuketown, les gars, si vous voulez, plus tôt dans la soirée, on a eu une image de la map Nuketown, donc avec le bâtiment principal qui se situait à une des extrémités de Nuketown, avec le parking du milieu. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est très futuriste, mais Nuketown 2025 se passera en 2065 sur Black Ops 3, donc voilà, c'est vraiment assez bien fait. Un abonné, donc Ezekiel, m'a fait remarquer qu'on dirait que la map est recouverte d'une sorte de dôme. Et maintenant, les gars, je vais vous ramener un peu au logo Nuketown, puisqu'il a été révélé. Moi, ça me fait penser un peu à une zone de quarantaine, donc suite à une nucléaire, etc., etc.,
parce que vous pouvez voir un signe de chimiste sur le logo. Donc je me suis dit peut-être que pendant la campagne de Black Ops 3, on a réussi justement à faire toute une sorte d'arme chimique, etc. Et que peut-être Newton 2065 a été attaqué, enfin 2025 a été attaqué justement par une arme chimique et qu'elle a été reconstruite par, en gros, un truc beaucoup plus futuriste. Donc cette image qu'on a là-dessus, après ce n'est qu'une hypothèse, donc laissez-moi votre avis en commentaire. Peut-être qu'on verra tout ça dans la campagne de Black Ops 3. Ce serait peut-être kiffant de jouer à la campagne de Black Ops 3 sur Newton, je ne sais pas. Après c'est vraiment que des suppositions, parce que derrière vous pouvez voir également des sortes de trucs aliens bizarres, etc. Donc je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. C'était Mister Alpha Wolf, je remercie encore une fois Code QG et Code CF s'il m'accepte cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Et peace tout le monde.